peux me passer le petit bol de fer? Allez, pars. Alors, jeune Jean. Porte nord. Porte, ouais, porte nord. Je vous suis. Bah, c'est vous. Eremir devant. Oui. Ziad. Juin. Ziad. Ziad derrière. C'est le nom de mon chef à l'hôpital. Ah, ouais, quand même. Elle rêve de lui en permanence. Ouais, bien sûr. Ziad. Ziad. Ziad, ça peut être. À peine Ziad. Pas grave, hein. La petite de staff s'appelle Jian. Comment? Ah, ouais? Ouais. Alors, ah oui. On est parti. Fais-moi ton message Schtroumpf dans ce bol. Je vais faire une incantation de Schtroumpf. Oh, assassin! Je savais que ça vous plaît. Alors, ah ouais. Du coup, on en, Eremir regarde ce qu'il y a dans la salle. Alors. Je peux me tracer sur toute la longueur. Là. En fait, ça va être plus simple. Oh, j'ai pas vu sa schtroumpfette. Oh, j'ai la schtroumpfette. Regarde comme elle est aguicheuse, cette cochonne. Ouais, bah regardez bien, celui-ci, ça va être intéressant. Elle aime que je la lèche. Cool. T'es dégueulasse. T'es affreux. Ça vibre, c'est ça. Après, c'est humide et ça glisse bien. Vous allez mourir dans quelques secondes. Initiation, ce sont des latrines. Exactement. De la latrine publique. Oh mon dieu! Non, c'est un grand public espace. Pour golem! Ça des... Mais non, ça marche pas les golems! Ah, ce sont des escaliers en colimaçon! Alors, j'avais un bouchon! Des trucs communes pour boule! Mon dieu! Physio! Yeah. Alors! Alors, créature! Physio! Non, c'est pas celui-là, c'est celle. Non, créature marine, vous l'avez faite! Voilà, c'est celle-là! Alors! Cette salle est remplie de curieuses créatures conservées. Deux sarcophages élaborés, sculptés et peints sont posés contre le mur est et ouest. Au centre de la pièce, il y a un tas de chaînes. Oh putain de merde. Oh merde. Oh non, non. Pas de chaînes, non. C'est quoi? Oh non. Donc, je répète, il y a deux sarcophages. Elle ne se contrôle plus en présence de chaînes. Alors, il y a. Ah, c'est plus, c'est bon. On trouve des tentacules en bocaux, un cerveau. Oh, des tentacules. Un énorme cerveau violet. Des tentacules. Une créature. Et des chaînes dans une même pièce, pardon. C'est bon? Ou je vous fais tous mourir maintenant? Donc, après les bocaux. Donc, dans les bocaux, des tentacules. Un cerveau violet qui a l'air de pulser. Une sorte de créature qui ressemble à un croisement entre un sac en cuir et un poulpe. Une trappe ouvre sur... il y a une trappe là-bas, là où de l'autre, quand vous étiez dehors, vous avez remarqué des escaliers en fer qui descendaient. Et le tas de chaînes et les deux sarcophages en bout de pièce. Voilà. C'est ça? Ouais, les deux ronds, là. Et ça, c'est quoi? C'est là où il y a les bocaux? Ouais. Ok. Voilà. En rouge, c'est les sarcophages. Et au fond, il y a la porte. Alors, est-ce qu'il y a du bruit dans les sarcophages? Je sais pas, tu t'approches pour écouter? Ouais. Bah vas-y, place-toi. La détection de... la magie? Pas de magie. Piège. Je sais pas, tu rentres pour détecter sur quoi? Sur... sur les sarcophages. Sur les sarcophages. Bah, entre, place-toi. D'accord. Alors, tu observes le sarcophage, tu... Ça a l'air d'être un sarcophage. Toi, tu faisais quoi? J'écoutais au sarcophage. D'accord, donc tu mets, tu colles l'oreille au sarcophage? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, excuse-moi. Oh, t'es vide. Heureusement. Tu écoutes au sarcophage, d'accord. Initiative. Pour tout le monde. Ah oui, parce que là, ça risque d'être rigolo. Oui, avec l'oreille collée au sarcophage. Ça va être rigolo de... Et de momies, c'est ça? Des momies, pourquoi des momies? Moi je suis pas dans un sarcophage, oh je suis pas bien. Oh les clichés! Ou alors le tas de chaînes qui se réveille. Mais pourquoi je fais que des vins naturels sur les jets d'initiative, les trucs qui servent à rien? Bah si, au moins tu peux être le premier alors, à bouger. J'ai pas été trop con. Voilà, j'ai pas été trop con. Con ça suffit. Initiative, oui, con ça suffit. Alors, comme ça c'est fait.
C'est connu, finalement. Oh, mais c'est Papa Schtroumpf. Oh. Eh ben, c'est pas mieux. Voilà. Ensuite, Érénir, excusez-moi, j'ai trop d'initiatives à dire. Érénir, 19. Il faut mettre moins de monstres, Aurel. Tu te simplifieras. Ouais, voilà. Bah ouais, ouais, je sais. Ou faudrait que je fasse moins de PJ. De PNJ. Tiens, bah je vais tuer Érénir. Alors, Dolores, combien? 14. 14. Zuin. 23. Imperia. 13. Combien? 13. 13. Ariel. J'ai le maître utile, je fais 20 sur initiative, mais je fais 2 au jet de réflexe, tu vois. Alors, 23, 21. Ton réflexe, c'était ça. Ah, 14. Oh non, ça ne m'a pas touché. Ok, alors, initiative. Ça va être une sorte de ronde de surprise, sauf pour Zuin, donc vous vous bouchez les oreilles pour l'instant. Alors. Tu n'entends rien. Mais par contre, tu as écouté moi, c'est collé. Genre salement. Voilà. C'est tout. Donc Zuin, c'est ton tour. Et il se passe ce que tu viens de. Putain, j'ai l'oreille de Léo Sarcophage. Non. Si. Donc Érémir, c'est surprise. Dolores, c'est surprise. Imperia, c'est surprise. Ariel, c'est surprise. Et du coup, là, le sarcophage. Alors, tu vois, vous voyez le sarcophage s'agiter, et puis il fait un grand coup dans toi, en fait. T'as combien de classes d'armure? Alors, classe d'armure, si je m'abuse, tu as 17 maintenant, non? Mais c'est pas cette merde. Dommage. Alors, il va falloir que je fasse mon Van Gogh. 17, donc il te fout un coup. Je vais te demander de me faire un jet de réflexe. Réflexe 12, excuse-moi, j'ai toujours oublié, enfin j'ai 11 et 12, c'est pourquoi? C'est 12, c'est pour les pièges, c'est ça? Ouais, non, c'est réflexe. Bah, c'est bon, 15 naturel, ça ira très très bien vu le test. Donc en gros, t'as le sarcophage qui t'a fait un gros coup, t'as eu une sorte de sensation comme s'il essayait de te coller, hein, tout simplement, comme s'il y avait une sorte de goulue. Et, ouais, comme moi. Et au final, t'as réussi à t'en débarrasser. Et pour toi, bah, je suis vous les oreilles. Qui est pour elle ou moi? Oui, oui, toi aussi. Vous soyez dans. Et en fait, en se décollant, tu vois que le truc s'est un peu ouvert. Et tu as vu des dents à l'intérieur. Des dents? Ouais. Comment? Genre des grosses dents. C'est dégueulasse. Oui. Est-ce que t'es jaune ou blanc? Les deux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je peux dire quelque chose? T'as le droit de le gueuler. Fais un truc simple et efficace, hein. Le sarcophage a des dents. T'as le droit de le crier, c'est mieux. Des dents. Voilà. Et en plus elles sont moches. Hop, alors. Et puis les gueules. Mais c'est parfait. Faudrait voir un dentiste, hein. Hop là. Donc c'est un sarcophage plante carnivore. Ensuite, Zuin. Piqueur d'oreille. Zuin. À moi. Alors tu es collé. Oui. Alors l'idée c'est que maintenant il va falloir que tu fasses un test de force pour te détacher. Ça devrait aller, un test de force. Logiquement, hein, si je fais pas là. Je rajoute quoi? Le modificateur de force. Modificateur de force. Ça me fait 14. 14 en tout? Ouais. Bah t'es collé. Putain. Bah t'es bouffé, hein. Mais alors elle t'avale, c'est ça? Non, il est toujours collé. Ah, pour l'instant il me lèche l'oreille. Érémir. Zuin. Tu l'as excité? Ouais. Donc là il y a lui qui rentre, hein, avec le pavois et l'épée longue. Hein. Et puis il fait. Oh, et il fout un coup dans le sarcophage. Espèce d'abruti, j'ai la tête collée au sarcophage. Alors, combien ça te sert? Et Rémir, ouais. J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu vas mal, il fait... Et comme, ça marche bien, hein. Comme demande d'amoureux. Ouais. Je crois qu'il aurait fait la même chose... Bah oui. Attention à télé qui sont... Ok, bah il faut un grand coup de dent. Et à ta grande surprise, c'est pas des éclats de bois qui partent, mais t'as l'impression que ça tranche comme si c'était de la chair. Oh. Dolores. Mon oreille. Non, pas toi. Dolores. Alors toi, t'es derrière une armoire pour l'instant. Ouais. Donc t'as entendu le sarcophage à des dents. C'est bon. Et il colle. Tu peux avoir de l'eau aussi, s'il te plaît. Est-ce que je peux rentrer ou pas?
tu peux. Ah, tu peux, oui, tu peux. Tu bloques pas le passage ? Non, enfin, non, tu peux passer par la caisse d'un pote. En théorie, tu devrais prendre une attaque d'opportunité, mais là, le sarcophage est un peu pris, tu vois. Donc, On va dire que l'opportunité du sarcophage. Ouais, c'est ça. Bah, je rentre. D'accord, tu rentres. Est-ce que tu veux faire un sort ? C'est 6 cases, toi, ton déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc, est-ce que tu veux lancer un sort ? Bah là, qu'est-ce que je vois, du coup ? Bah, tu vois un gros sarcophage, bien sûr. Un sarcophage qui s'agite avec ton pote qui est collé dessus. Bah, on remarque, ça pourrait être un bon nom, hein. Un sarcophage avec des dents, un sarcophage. Est-ce que je peux endormir ce sarcophage ou non, ça marche pas ? Bah, si c'est vivant, peut-être, oui. Bon, bah, je lance le maléficien. Je sais qu'il a des dents. Du sommeil. Ah, mon Dieu, il faut qu'il fasse un jet de réflexe, ce con. C'est un sarcophage ? Ouais. Non, il rémit. Ça va, c'est bon. Son arme ne scolle pas. Donc tu fais un. Contrairement à mon oreille. Tu fais un sort de sommeil, c'est ça ? Ouais. D'accord. Alors, DB17, si je ne m'abuse. C'est pas noté. En même temps Enfin, je l'ai pas noté moi. De me faire un dose de magie. Ça nous dit quelque chose, un sarcophage avec des dents ? Oui, 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 j'ai fait noter. Ça va bien, ça va bien. Qui a connaissance, exploration, donjon ? Je crois. Ouais, j'ai 0, mais j'ai la capacité. Alors, 13. T'as combien de modificateurs d'intel, Caro ? C'est intelligence, c'est ouais. Ça, ma caractéristique, plus 20. Non, c'est la suite d'après. Ah, moi aussi, je l'ai coché. T'as plus 5, c'est ça ? Plus 5. Attends, mais c'est coché, mais j'ai pas mis. Ah, oui, d'accord, plus 5, pardon. D'accord, donc maintenant, tous tes maléfices, le DD, c'est 18. Ah, 18, c'est 18. Alors, pour tous les magnifiques, okay. tu le vises et le sarcophage s'arrête de bouger. Non. Bah, probablement. J'ai lâché mon oreille ou pas ? Donc, qui a mis des points en donjon ? Moi. J'ai plus 0, ça marche ? C'est une compétence de classe pour moi. Mais oui, mais il faut mettre un point dedans. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les barres qui peuvent le faire sans mettre de points dedans. Ah ! Donc, t'as combien ? Moi, j'ai 10. Moi, j'ai plus 0, ça peut marcher aussi ? Oh, oui, mais t'as mis un point dedans ? Mais j'ai plus 0 en fait. Oui, mais si t'as pas mis de rang, il n'y a pas de trait. Bah, tu. Mais c'est. Que va tomber. T'as pas mis de point dedans. Ah, non, tu peux pas. D'accord. Bon. On avait dit 10. Les oreilles. Tout le monde sauf aux unes. J'arrive. Vas-y. Dis-moi tout. Ah, pour toi. Pour toi, un ingle avec des dents, c'est une. Logique. C'est bon. Logique. Tu as le droit de le dire. Je crois, hein. Je crois. Non, là, t'es collé à une bestiole, je te rappelle. C'est une putain de mimique de merde. Articule. Une mimique. Une putain de mimique. C'est quoi une mimique, déjà ? C'est une créature. Bah, je sais pas. Imperia, donc. Je peux l'observer ? C'est quoi une mimique ? Tu peux l'observer, mais tu es une menace. Je il le sait. Sarcophage avec mais des dents. Mais tu sais, là, il dort. Enfin, un meuble. Donc, en théorie, tu peux juste l'achever. Une créature qui prend la parole. Ah bah, un coup de rapière. Une créature. C'est un coup de rapière critique avec tous tes dégâts d'attaque sournoise. Oh. Généralement, ouais. C'est les coffres. Bah, il dort. Comme ça, t'ouvres le coffre. Bah, carrément. D'accord. Paf. Bah, tu le tues. Sans problème. Bah, du coup, deuxième les dégâts max, c'est genre. Pas sûrement, quoi. Ta rapière, c'est x2, donc ça ferait 12. Plus ton bonus de force, je sais pas si t'en as un. Je vais mettre la bite dedans, je vais voir. Je sais pas. Plus tes 4v6, hein, donc ça fait plus. On va te libérer. 24. Ouais, okay. Voilà. Non, c'est pour. Ça va ou je veux faire un jet de dés Ça ira. Bon, bah du coup, elle prend le temps et puis. Elle le transperce de part en part. Par contre, t'es toujours collé. Oui. J'allais dire, j'espère que je suis pas derrière. Non, c'est bon. Ariel. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es dans l'autre salle. Oui, je sais. Mais je m'avance. Mais qu'est-ce qui se passe? La mimique. Va te faire foutre. Alors on va quand même compter. Voilà. Est-ce que je reste accroché? Ensuite, Zuin. Test de force. Bah. 18. Tu te détaches de cette horrible bestiole. Et Rémir qui fait ça va Zune. Je crois qu'elle est encore là. Dolores. Alors je me méfie de l'autre sarcophage. Le sarcophage je peux observer. Lequel? Oui. D'accord, tu observes le sarcophage.